Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment réparer le problème. Je ne reçois pas de SMS sur mon iPhone. Alors, c'est très facile. Une fois dans ton iPhone, je vais te proposer diverses solutions. Alors, la première, elle est toute simple, c'est de venir descendre ici en haut, du côté supérieur droit, et de venir maintenir ici pour cliquer sur passer en mode avion. Alors, tu vas passer en mode avion et patienter quelques instants et annuler le mode avion. Voilà, ça permet tout simplement de te reconnecter à ton Wi-Fi, de mieux capter le signal si tu ne le captais pas bien, ainsi de suite. Alors, si malgré ça, tes messages n'arrivent pas, ce que tu vas faire, c'est d'essayer une solution plus radicale, dont la deuxième solution, c'est tout simplement de redémarrer ton iPhone. Alors, pour redémarrer ton iPhone, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appuyer sur le bouton supérieur droit et au même moment appuyer sur le bouton latéral de gauche. Voilà, et maintenir. Alors lorsque c'est fait, l'option éteindre va s'afficher. Tu vas tout simplement éteindre et redémarrer ton iPhone. Une fois que c'est fait, bien évidemment, tu vas devoir déverrouiller ton iPhone et tes fonctions et normalement tes notifications devraient arriver. Alors si ce n'est pas le cas, tu vas venir ici dans paramètres. Alors dans paramètres ici, tu vas scroller. Et venir sur l'option message. Voilà, sur l'option message. Alors dans message ici, tu vas t'assurer que tu as bien activé ton option iMessage. Parce que si tu ne l'as pas fait, bien évidemment, si on t'envoie des messages via iMessage, tu n'en recevras pas. Donc tu vas te rassurer que tu as activé l'option iMessage. Et dans la petite option envoi et réception qui s'affiche, tu vas tout simplement sélectionner ton compte Gmail via lequel tes contacts vont t'envoyer des messages iMessage ou alors ton numéro de téléphone. Voilà, tu vas scroller jusqu'en bas ici et activer la fonction envoyer par SMS. Voilà, parce que cette fonction permet tout simplement que ton message soit envoyé par SMS lorsque iMessage n'est pas disponible. Tu vas activer cette fonction, voilà, tout simplement, et venir tout en bas ici et te rassurer que tu as activé cette fonction pour que les expéditeurs inconnus s'affichent en tête de liste parmi tes messages que tu recevras. Alors voilà, si malgré tout, ton problème n'est pas toujours résolu, ce que je vais t'inviter à faire ici, c'est d'essayer une autre solution, c'est de venir dans Général, puis dans Mise à jour logiciel ou alors Information. Alors dans Information, tu vas te rassurer d'avoir la dernière version de iOS parce que généralement, les problèmes liés au message peuvent être dus au fait qu'il y a eu un déphasage de version d'iOS. Donc, tu vas te rassurer qu'il n'y a pas de mise à jour à faire. Par exemple, moi, je suis à jour, il n'y a aucune mise à jour à faire. Donc, s'il y en a, toi, tout simplement, tu vas faire ta mise à jour. Voilà, c'est aussi simple que ça.